Un complexe hôtelier et commercial, bientôt à l'ancienne place du marché dans la commune du Plateau. Un projet concrétisé à travers la signature d'un protocole d'accord entre le constructeur venu de Chine et la mairie du Plateau. Akossi Bendjo, maire de la commune, entend à travers ce projet donner un nouvel élan à la vie économique et sociale dans sa commune, mais aussi offrir plus de chances à la jeunesse d'avoir du travail. Pour le premier magistrat du Plateau, la construction de ce complexe qui s'inscrit dans le cadre d'un partenariat public-privé fera du Plateau une commune incontournable et attractive. Aujourd'hui, on se plaint que le Plateau de nuit n'est pas fréquenté, mais il faut absolument créer des conditions d'attractivité. Nous avons pris du temps, beaucoup de gens l'ont dit, mais il fallait absolument faire quelque chose d'exceptionnel. 300 chambres, dont 6 suites, un palais des congrès, 5 restaurants, des parkings. Telle est la composition de ce complexe, dont les travaux débutent dans 6 mois, et ce pour une durée d'exécution de 3 ans maximum.